jour, là, j'ai réalisé une mini botte pour le sapin de Noël. Donc, j'ai monté 32 mailles et j'ai tricoté 12 rangs en côte de 2. Et à la fin, on rembourre avec du coton la mini botte. Là, je vais monter mes 32 mailles. Pour la deuxième botte, je vais tricoter 12 rangs au point mousse. Donc toutes les mailles et tous les rangs se tricotent en droit. Alors pour la couture, laissez assez de fil pour pouvoir coudre derrière et en dessous. Et j'ai cousu en blanc et laissé une ouverture pour accrocher au sapin. J'ai fini mes 12 rangs de points mousse. Maintenant, on tricote en jersey en droit. Donc le premier rang, on va tricoter 14 mailles en droit. Deux mailles ensemble en droit. Deux mailles ensemble en droit. Les 14 mailles suivantes en droit. Le deuxième rang, on tricote toutes les mailles en vert. Au troisième rang, on tricote une maille de moins en droit, c'est-à-dire 13 mailles en droit, une fois deux mailles ensemble, encore une fois deux mailles ensemble et 13 mailles en droit. Tous les rangs pairs se tricotent en maille envers. Diminue une maille en droit de chaque côté des diminutions jusqu'à arriver au 13e rang où on aura 8 mailles en droit, 2 fois 2 mailles ensemble et 8 mailles en droit. Je vous montre le 13e rang, 8 mailles en droit, 2 mailles ensemble en droit, 2 mailles ensemble en droit, 8 mailles en droit. Le 14e rang en vert. Et ensuite, on tricote
20 rangs en droit. Après avoir tricoté les 20 rangs et coupé le fil, tricoter 9 rangs de points mousse avec la laine blanche. Au 10e rang, sur l'envers, rabattre les mailles à l'endroit, c'est-à-dire comme si on tricotait au point mousse. On coud sur l'envers, on plie en deux dans le sens de la longueur, on coud avec la laine rouge le dessous de pied, avec le reste de laine rouge. C'est pour ça que je dis de couper suffisamment de laine tout le long de l'arrière. Avec la laine blanche, on va coudre le début et la fin, un ou deux points, et laisser un jour pour l'accrocher au sapin. Et voilà le résultat. Ensuite, on met du coton dans le pied. Alors moi, j'ai enfoncé et j'ai pris une épingle à cheveux ou un coton-tige pour arriver jusqu'au bout.